voiceofcongo.net, news en real time. Ok, mon nom c'est Didier Kirube Masengo. Je suis membre d'une organisation qu'on appelle les Amis de Moïse. Premièrement, c'est selon mon point de vue, je suis contre le dialogue. Je suis contre le dialogue et puis je ne trouve pas très responsable de la part des lits de paix ou de vouloir accepter ce dialogue. Je ne trouve pas ça très responsable. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous nous rappelons nous tous que Tshisekedi et donc, disons, le membre des lits de paix ont refusé totalement la légitimité du président Kabila comme président de la République, soi-disant que les élections ont été corrompues et tout le reste. Et alors, aujourd'hui, l'IDPS a même refusé de siéger dans le Parlement. Et que tous les autres membres qui ont accepté de siéger dans le Parlement, comme les députés, comme membres de l'IDPS, ont été disqualifiés, même suspendus du parti. Mais aujourd'hui, si nous devons dire que non, aujourd'hui Tshisekedi a accepté Kabila. Il a même dit une déclaration qu'il va offrir 50 000 dollars à celui qui va lui apporter Kabila ligoté et tout le reste parce qu'il a triché les élections. Mais aujourd'hui, la même personne, à une année et demie des élections, Kabila décide, Tshisekedi décide de siéger avec la même personne dont il a refusé de reconnaître sa légitimité. Qu'il accepte aujourd'hui qu'il est président de la République et qu'il va siéger avec lui sur la même table et parler de dialogue, je ne sais pas, pour les élections ou quoi que ce soit. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Et combien de dialogues que nous avons déjà vus au Congo? Combien de concertations que nous avons déjà vues au Congo? Mais sur le peuple congolais, en vue de tout ça, on nous dira qu'il y a des millions qui ont été dépensés, on nous dira qu'il y a des milliards qui ont été dépensés pour des dialogues, alors que nous sommes en train de chercher l'argent et d'économiser l'argent pour que nous puissions être capables financièrement d'organiser les élections en 2016. Kabila, elle a été élu président de la République, ok, comme nous le disons, mais aujourd'hui, Kabila qui organise les élections, en 2016, Tshisekedi se pose comme candidat et tout le reste, et puis qu'il y ait des élections et qu'il parte. C'est tout. Je ne trouve pas qu'il y a. C'est important qu'il y ait dialogue. Oui, moi c'est M. Roger Victor Moukeba. Je suis partisan d'une philosophie appelée le Tshisekedisme. C'est-à-dire je suis un Tshisekediste. Alors, réagissant au propos de mon ami, mon co-débatteur, je crois que c'est son opinion. Je voudrais juste dire quelque chose. Il a dit que. M. Tshisekedi n'a pas reconnu les institutions qui sont mises en place. Ben, je crois qu'il y a quelque chose que je voudrais se le rappeler. À un certain moment dans l'histoire du Congo, vous vous en souvenez qu'il y a eu rébellion par-ci par-là, avec Jean-Pierre Bemba ici, Robert Roy de l'autre côté, Kabila ici, les autres de l'autre côté. Mais je crois que tous ils se sont mis d'accord sur un point. Le fait, n'est-ce pas, d'organiser un dialogue qu'on a appelé le Sun City, et l'issue de ce dialogue, nous le savons, il y a eu la pacification du pays, même à 90%, bien qu'il y ait encore des poches, des rébellions par-ci par-là. Et je crois qu'il y a eu des élections, bien sûr, mal organisées en 2006, mal organisées en 2011, mais quand même, il y a eu des faits positifs, n'est-ce pas, de ces dialogues-là. Parce qu'on ne doit pas toujours attaquer les dialogues comme quelque chose qui apporte le malheur au peuple congolais. Mais je crois qu'ici, il y a un problème. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le dialogue tant réclamé par l'UDPS, c'est l'idée de l'UDPS. Non, je ne pense pas. Le dialogue qui est réclamé par l'UDPS, c'est le dialogue qui était préconisé dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous voyez ça? Donc c'est un dialogue qui est bien, qui trouve sa place, n'est-ce pas, dans les institutions du Congo actuellement. Bon, il ne faudrait pas que les gens pensent que le dialogue dont nous parlons, c'est l'idée de l'UDPS ou l'idée de Kabila ou tout ça. Moi, je ne pense pas. Raison pour laquelle il y a eu ce qu'on appelle concertation nationale. L'UNC a refusé d'y participer. L'UDPS a refusé d'y participer et quelques partis politiques. Pourquoi? C'est parce que ça ne remplissait pas les conditions, n'est-ce pas, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et alors, quand on a constaté que M. Kabila revient à la bonne foi d'accepter ce dialogue tel que préconisé par cet accord d'Addis Abeba, eh bien, on se dit que
on doit y souscrire, on ne doit pas refuser. Parce que nous savons que c'est ça la seule moyen, le seul moyen de faire ce pays, de faire sortir ce pays de l'impasse politique, de faire sortir ce pays de la crise politique, de l'instabilité politique. Donc le dialogue doit toujours être permanent, mais un dialogue institutionnel. Donc on s'arrête d'abord jusque-là et on va réagir à d'autres propos. Il y a un point qui vient de dire, il y a les institutions qui sont là en place. Pourquoi le dire? Premièrement, il y a les institutions qui sont là en place. Les élections sont élues dans notre institution, sont prévues en 2016, au mois de novembre. Les élections seront organisées en 2016. Et puis, en plus de ça, nous connaissons que le gouvernement est responsable, il fait tous les moyens possibles pour qu'il y ait des élections en 2016. Alors pourquoi ce dialogue? Pourquoi ce dialogue? Effectivement, ce dialogue, nous connaissons très bien, c'est juste pour que ça puisse permettre à M. Kabila de faire son plan d'éblissement. Et effectivement, sachez-le très bien que quand Kabila va se mettre à la même table avec le gens de l'IDPS et tous les membres d'opposition qui seront d'accord avec ces dialogues, ils seront, vous allez voir qu'ils vont leur proposer, parce que tout ce que Kabila va leur poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait des élections. Il va leur dire qu'il y a ça et ça et ça et ça pour qu'il n'y ait pas des élections en 2016. Qu'est-ce que vous proposez pour que les élections soient bien organisées? C'est ce qu'on va nous faire voir, nous, le peuple. Ça, je vous dis, c'est la politique qui se passe en Dakar. C'est ce qu'on va nous dire, nous, le peuple. Et quand on va demander ça à Tshisekedi, voilà ce qui va arriver. Bon, on va dire, non, voilà, nous vous donnons quelques membres à nous pour que nous travaillions ensemble, afin que nous puissions organiser les élections. Quand ils vont commencer à travailler ensemble, c'est le même jeu. Ils vont commencer à goûter au gâteau, ils vont avoir l'argent, et puis nous n'aurons pas les élections en 2016, on n'aura pas les élections même possibles en 2017. Et voilà ce que IDPS est en train de donner à Kabila comme faveur. Nous devons seulement arrêter les histoires de dialogue. Nous devons faire le dialogue depuis très longtemps, il n'y en avait pas eu. Kabila est à la fin. Laissons-lui le temps de finir son mandat. Comme Moïse l'a toujours déclaré chaque jour dans ses discours, le Joseph Kabila, il est le garant de la démocratie. Laissons-lui finir son mandat en 2016. Pour que nous puissions savoir qui sera candidat et président de la République, c'est tout. Oui, je crois que je comprends l'appréhension, la crainte de mon ami. Il n'y a pas la guerre au Congo, de toute façon. Selon mon ami, il pense que lorsqu'on parle de dialogue, c'est le synonyme d'éclissement. Je ne pense pas que le dialogue signifie l'éclissement. Le problème sur lequel je comprends pourquoi est-ce que ce dialogue pose tant de problèmes, c'est parce que M. Kabila a fait mandat. C'est ça le problème. Comme il a fait mandat, donc, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle un dialogue pour essayer de résoudre certains problèmes dans l'amiable. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Il n'y a aucun signe des élections de 2016. Élections, il n'y en aura pas. J'ai posé la question de savoir s'il n'y a pas élection, quelle est la stratégie politique, la stratégie commune arrêtée pour faire sauter Kabila du pouvoir? Et c'est à 2000 km qu'on va décider. Et c'est à 8000 km qu'on va décider. Non, c'est sur terrain. Mais qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Monsieur Kabila et son gouvernement sont partants. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent pour les autres élections. Ben, nous, notre souci, c'est d'organiser, de nous attabler autour d'une même table. Essayer un peu de voir un peu ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? D'où viendront les fonds? En fait, quelle est la primauté des élections? Quel genre d'élection doit-elle avoir lieu au Congo actuellement? Parce que nous avons les élections présidentielles, législatives et tant d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour qu'il y ait élection présidentielle? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faudrait qu'on en parle. Il y a un problème parce que d'abord, le processus électoral en soi, il est déjà biaisé. Il est déjà biaisé. Il n'y a rien qui soit respecté. Nous avons un problème de... d'enrôlement, n'est-ce pas, de jeunes qui n'avaient pas pu atteindre 18 ans en 2011, qui ont maintenant l'âge révolu. Nous avons un problème de révisitation, n'est-ce pas, des fichiers électoraux. Hein, fichiers électoraux plutôt. Nous avons un autre problème qui se pose, le problème des fonds, des cartes électorales qui sont trafiquées, marchandées par-ci, par-là.
comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à trouver une solution là-dessus? Parce que la CENI disait ceci, il ne prendra en compte que ce qui sera comme compromis entre la majorité et l'opposition. Or, la majorité de l'opposition, c'est sous forme d'un dialogue, sous forme d'une concertation, mais dans le format tel que prescrit dans l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est la raison pour laquelle nous voulons aller au dialogue. Le dialogue ne signifie guère glissement. Le dialogue ne signifie guère redonner confiance à Kabila pour qu'il continue à gouverner ou à gérer le pays. Ça ne se fera jamais de cette manière. Il ne faudrait pas qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre tout le mot du Congo, mettre ça sur le dos de M. Tshisekedi, parce que M. Tshisekedi a accepté le dialogue. Moi, je crois que c'est un papa qui est sage, qui a de l'expérience, à qui on a toujours donné raison. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand il dit non, nous disons oui, et fin de compte, nous regrettons par après. Je crois qu'il faut donner la chance à ce dialogue ici, voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre ces petits problèmes que nous avons avant d'aller aux élections. Mais l'élection, le dialogue ne signifie guère le glissement de M. Kabila, ou redonner confiance à M. Kabila, ou d'aller dans une transition, parce que je ne vois pas un Tshisekedi qui va accepter de travailler avec Kabila comme son vice-président. Je vais poser la question, mon frère, à supposer que Kabila n'est pas pour ce que vous avez comme proposition dans le dialogue qui sera apprécié, à supposer qu'il propose par exemple que donnez-nous un membre de votre parti pour être premier ministre afin qu'il puisse nous aider à organiser les élections. Peut-être, comme vous dites, ça ne sera pas en 2016, on suppose peut-être FEDA en 2007 ou Samuel. Je vous demande, vous êtes sûr que ce dialogue va aider Kabila à quitter en 2016? Je crois que M. Kabila, comme on le dit, il est le garant de la Constitution, n'est-ce pas? Il doit respecter sa propre Constitution. Ça signifie qu'en 2016, il est fin mandat, il doit partir. Il doit partir par la voie démocratique. Nous sommes des tshisekedistes, nous sommes partisans de la non-violence. Nous ne voulons pas les sang au Congo. Démontrez-nous comment il va partir. Ah non, mais ce ne sont pas des stratégies qu'on doit démontrer ici publiquement. Ce sont des choses qui se préparent. Nous savons par quels moyens. Parce que nous savons que nous faisons entorse à ces institutions par la non-violence toujours. Prenons l'exemple de mois de janvier, ce qui s'était passé. Le peuple n'était pas descendu dans la rue avec les armes, n'est-ce pas? Ils ont manifesté pacifiquement, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, et la loi n'est pas passée, la loi n'a pas été votée. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Nous sommes les partisans de la non-violence. Nous savons que Kabila, il est fait mandat 2016. Aller au dialogue avec M. Kabila, c'est tout à fait normal, parce que nous savons que ce pays, tel qu'il est gouverné, tel qu'il est géré, c'était toujours par le dialogue. Depuis l'avènement de M. Mobutu, il y a eu tant de dialogues. Il y a des faits positifs dans ce dialogue, il y a aussi des faits négatifs. Maintenant, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller au dialogue pour tabler sur les élections, de quelle manière ces élections doivent se passer. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Selon, si je vous ai bien compris, vous dites que non, c'est au travers de ce dialogue que nous pouvons gérer la crise politique au Congo, que nous pouvons finir tout ce problème que nous avons. Je ne crois pas, parce que Tshisekedi, il a toujours dit, comme vous dites, auparavant je le suivais beaucoup, pas plus que moi. Il disait toujours que nous demandons à la population de se prendre en charge. De se prendre en charge. Il insistait sur ce mot de la population de se prendre en charge. Kabila a réussi à organiser les élections. Il y avait eu la finance d'organiser les élections en 2006. Il y a eu l'argent d'organiser les élections en 2011. Comment croyez-vous qu'il n'y aura pas l'argent d'organiser les élections en 2016? Doesn't make sense. Alors que chaque année, le Sénat donne un budget particulier à la CENI pour les élections. Il y a tout un budget qu'on vote chaque année pour la CENI pour organiser les élections.
Il y a tout un budget pour ça. Aujourd'hui, nous connaissons que le Congo, il a fait ça. J'ai mis un sujet là au Google, que je ne prouve pas d'ailleurs devant la caméra, que Kabila, il est parmi les présidents les plus riches du monde actuellement. Et moi, je ne crois pas que le budget dont on parle pour organiser les élections, avec toute bonne foi des gens qui sont mandatés du pouvoir, peuvent manquer d'organiser ces élections. Non, Kabila a seulement peur de quitter le pouvoir parce qu'il a des problèmes à faire avec la tuerie, les assassinats et tout le reste que vous connaissez qui se passe dans notre pays. Et Kabila ne veut pas laisser le pouvoir. Et pour ne pas laisser le pouvoir, il trouve beaucoup de moyens possibles, entre autres le moyen de dialogue avec le Tshisekedi. Il sait que les Congolais, nous avons un problème de soif, nous avons un problème de gâteau. Quand il va appeler les Tshisekedistes, il va leur dire, voilà, je vous donne tout. Faites ce que vous voulez, comme ce qu'il avait fait à Mbemba. C'était pour que Mbemba, qu'est-ce que tu veux? Prends ta morceau. Kabila n'a jamais eu de problème pour ça. Si tu commences une petite rébellion au Congo, aujourd'hui avec 4-5 militaires, Kabila va te payer, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un général? Oui, tu seras général. Et nous avons des généraux de toutes les manières dans tout le coin du pays, tout simplement pourquoi? Parce que Kabila ne veut pas le problème avec son pouvoir. Si tu peux, tu peux tout avoir, mais lui laisser lui au pouvoir, il n'a pas de problème. Et c'est, effectivement, c'est ce que Kabila est en train de faire. Mes frères congolais, vous allez remarquer le résultat du dialogue. Ou alors, tu sais qu'il dit, ou les gens de l'IDPS ne connaissent pas très bien Kabila, c'est pourquoi ils vont au dialogue. Ou alors, ils ont d'autres ambitions aussi. Parce que le meilleur moment qu'il fallait bien lutter pour changer la politique au Congo, c'est quand Kabila, même si vous dites qu'il avait triché pour les élections, quand il est devenu président de la République, il fallait entrer dans le Parlement, il fallait aussi revoir, il fallait parler. C'est le moment, c'est le dialogue derrière le Parlement, c'est le dialogue de chaque jour. Vous devriez parler, être là, expliquez-vous, créer des débats. Vous êtes retiré de la politique. C'est seulement maintenant que Kabila vous dit que venez, je vais maintenant dialoguer avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Et vous donne tout ce que vous voulez. Et puis, comme vous. D'ailleurs, ça m'étonne quand tu me dis qu'il n'y aura pas des élections en 2016, parce que c'est la chanson de chaque jour au Congo. Les gens me disent qu'il y aura des élections en 2016. Vous dites qu'il n'y aura pas des élections en 2016 selon vos raisons, qu'il n'y a pas les finances et tout et tout. S'il n'y aura pas des élections en 2016, vous allez au dialogue. Pour dialoguer quoi? Vous allez dialoguer, tout ce qu'il va vous dire, c'est vous dire que, voilà, comme nous, on n'arrive pas à organiser les élections, vous. Prenez les choses en main, organisez les élections. Et quand il vous dit vous, c'est-à-dire quoi? C'est le poste. Vous serez ministre, vous serez ceci, vous serez cela, pour organiser les élections. Et c'est là que nous, le peuple congolais, nous disons que vous nous avez trahis. Oui, ça va. Je crois que. Je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Monsieur Tshisekedi n'est pas le dépositeur de légitimité. N'est-ce pas, au régime de M. Kabila. Je ne pense pas que ce soit ici. Mais si tu sais qu'il n'est qu'une partie du peuple, il ne représente que le peuple, une frange de population, n'est-ce pas, du population, n'est-ce pas, du Congo. Donc M. Tshisekedi n'est là que pour les intérêts du peuple congolais. Je prends un exemple. Papa Tshisekedi a été plusieurs fois nommé Premier ministre, et vous en connaissez la suite. Il a eu toutes les chances possibles de gérer ce pays le plus longtemps possible et gagner de l'argent. Il ne l'a pas fait. Mais je ne pense pas que c'est un monsieur tel que vous le dites là, que non, quand il y a dialogue, il va accepter de nous le pouvoir et c'est là tout ça. Ça n'a jamais été une position de l'IDPS, excusez-moi, entre guillemets. C'est cette position, dessus, c'est ça que je suis en train de dire. Suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, il faudrait écarter de vos têtes cette idée-là de dire que M. Tshisekedi va aller légitimer le pouvoir de Kabila dans le dialogue. Il n'est pas dépositeur de légitimité au régime de Kabila. Non, je ne pense pas que cela puisse se faire ici. C'est notre droit, ou c'est le droit d'un parti politique de retirer ses députés du Parlement ou des institutions publiques. Quand le parti politique voit que ce qui s'est fait là-bas n'est pas correct, on ne peut pas condamner ça parce que je vous ai dit tout à l'heure que le pays était gouverné, excusez-moi, par 4-5 rebelles, mais tous ils sont mis d'accord. Tel ne reconnaissait pas le pouvoir de l'autre, tel ne reconnaissait pas le pouvoir de l'autre. Tous ils se sont mis d'accord
n'est-ce pas, dans les accords de Sun City, eh bien, ils ont géré le pays d'une manière pacifique. Et nous sommes allés aux élections qui ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Je prends un exemple. En 2006, il y a élection. Et vous en connaissez la suite. En 2011, élection. De la même manière, les plus mauvaises en Afrique même, je dirais. Ben, en 2016, il y aura élection. Si élection il y a. Ce seraient les mêmes élections. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui te prouve que Kabila ne sera pas là? Parce qu'il a toujours tout fait pour qu'il soit là. Non. Parce qu'aujourd'hui, M. Kinike, le ministre Kinike Moulumba, parle d'élections universelles indirectes. Il parle d'un troisième mandat. Donc, modification de la constitution. N'est-ce pas? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coincer Kabila, aller avec jusqu'au mur. S'il y a dialogue, allons au dialogue. Et écoutons-le, qu'est-ce qu'il veut. Le dialogue dont on parle, ce n'est pas M. Kabila le modérateur. Ce n'est pas M. Kabila le médiateur. Hein? Le dialogue dont on parle, le médiateur doit, n'est-ce pas, refléter, si vous voulez, n'est-ce pas, ce qui a été prescrit, n'est-ce pas, dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Je crois que c'est cela. Nous voulons à ce qu'il y ait un observateur étranger. Vous comprenez? Parce que M. Kabila, il ne peut pas être une équipe qui joue le match, en même temps il est arbitre, ça ne peut pas se faire. Vous comprenez ça? Il est partie prenante, n'est-ce pas, de ce dialogue. Ok? Il se présente là comme les garants de la nation, les garants. C'est tout à fait correct, mais il est partie prenante, n'est-ce pas, de ce dialogue-là. Il ne sera jamais modérateur ni médiateur non plus. Je ne pense pas que cela se fera de cette manière-là. Ce n'est pas M. Kabila de nous poser la question dans le dialogue, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, il doit y avoir l'ordre du jour. Il ne faudrait pas que les gens vous mettent des choses dans la tête pensant que non, voilà la manière dont ça va se passer. Kabila qui parle à Tshisekedi, Tshisekedi qui parle à Kabila, non, c'est un dialogue. Comme tous les dialogues, de la manière dont ça se passe, il y a toujours un ordre du jour. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais il doit y avoir des agendas, n'est-ce pas? L'UDP a son agenda, PPR a son agenda. Il faudrait maintenant tout confronter. Il y a d'autres partis qui ont sur leurs agendas. Il faut tout confronter et sortir le matière qui feront partie, n'est-ce pas, de ce dialogue-là. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Je viens là, on commence à parler. Non, mon frère prend le pouvoir. Moi, je laisse. Ça ne se fera pas de cette manière-là. Je crois que le peuple congolais doit comprendre que M. Tshisekedi n'a jamais trahi ce pays et il ne le trahira jamais. S'il fallait qu'il traite ce pays, il aurait fait depuis très longtemps. Il a y travaillé avec Mobutu pour quelques temps. Il a y travaillé, il a y été nommé premier ministre de ceci, ministre de cela, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a gagné dans tout cela? Il ne lutte que pour le bonheur du peuple congolais. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas n'importe quoi par ces soi-disant Mobutistes qui sont, qui veulent se repositionner. Pour se repositionner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut critiquer les autres, il faut parler mal de ceci, il faut éveiller le peuple, n'est-ce pas, à lancer des injures, dire des choses qui ne sont pas correctes à celui qui est aujourd'hui considéré comme le monument congolais, celui qui a donné beaucoup plus de garanties à la démocratie. Là, au moins, vous le savez. C'est M. Tshisekedi qui a fait tout cela. Il a beaucoup lutté pour ça. Il a perdu tout son temps. Il est aujourd'hui vieux, n'est-ce pas? Mais il a lutté pour que les Congo aujourd'hui se retrouvent, n'est-ce pas, avec une démocratie moindre, comme ça se fait aujourd'hui. Je crois que nous sommes en train de lutter et notre objectif final, c'est la libération totale du peuple congolais par la philosophie de Tshisekedisme. Ok, le mot de la fin. Bon, comme mot de la fin, en tout cas, je ne suis pas très pour ce dialogue. Comme je l'ai dit, je ne suis même pas sûr que ça va donner de très bons résultats, à part que ça fera le glissement de M. Kabila encore au pouvoir. Nous allons le voir en 2016, 2007 ou 2008. Une chose que moi je m'attache beaucoup, c'est que quand les gens ne sont pas contents pour la première permati, deuxième, la troisième permati, il faut entretenir. C'est le seul moyen qu'il faut faire partie Kabila. Du pouvoir. Il est trop jeune, il est ambitieux et il veut rester au pouvoir pour beaucoup d'années que possible. Et la clé à faciliter à M. Kabila encore beaucoup plus de temps au pouvoir, c'est M. Tshisekedi et le groupe de l'UDPS et tous les membres de l'opposition actuelle.
comme mot de la fin, merci d'abord, je remercie mon co-débatteur parce qu'on a été non-violent. Mais je lance un appel pathétique à tous les combattants qui luttent pour le changement, n'est-ce pas, au Congo, qui luttent pour la libération totale, n'est-ce pas, du peuple congolais, que l'on ne vous trompe pas, le dialogue est nécessaire. Dans ces temps prescrits, je crois que le dialogue peut nous aider à trouver certaines solutions à certains problèmes qui se posent, entre autres, les élections de 2016. Tenez bon, nous allons faire. VoiceofCongo.net, news on real time.